Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne sur Dragon Ball Fusion World les potos. Et pas n'importe laquelle puisque les amis, nous allons nous faire Dragon Ball Fusion World des unboxings en ligne. On a ouvert énormément de boosters, bon, tout ce que j'ai pu trouver simplement ici aux Pays-Bas. En vrai quoi, et c'est pour ça qu'on a pas mal de cartes. Et bah nous, donc du coup, on a eu quand même pas mal de codes. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. On a eu tous les decks, on a eu des cartes promo. On a eu d'autres trucs un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses où on a pu entrer les codes pour récupérer les cartes. Et en plus de ça, donc du coup, bah on a pas mal d'unboxing à se faire de manière virtuelle pour commencer le jeu et essayer d'être compétitif en ligne également et essayer un petit peu les decks par-ci par-là. Donc je vous présente sur la chaîne, pourquoi pas. Du coup, aujourd'hui, nous avons 94 boosters à s'ouvrir. Bon, ça fait beaucoup, hein, comme vous le voyez. Je l'ai dit, hein, ça fait quasiment 4 displays, quoi, même plus. Donc voilà, on a pas mal de boosters à s'ouvrir. En plus de ça, on a des promotionnels packs, les amis, des packs promotionnels. On en a 3 à ouvrir. Bon, c'est pas grand chose. Nous, on aimerait bien avoir ce Frieza. Pourquoi pas ce Broly, mais on veut surtout aussi ce Goku. Et pourquoi pas ce Vegeta là pour le deck bleu, parce qu'il est meilleur que le Sangohan. Ça tout dépend du deck. Voilà, voilà. On y va, les amis, allez, hop, c'est parti. Ouh, il y a quand même pas mal de violet là-dedans, les potos. Alors, je me demande bien quels sont les ratios. J'ai pas regardé, mais il me semble qu'on est quasiment pareil. Donc, voilà. On va commencer par les boosters les plus nuls, hein, techniquement parlant. On va pas ouvrir les gold, là. Je sais pas ce que c'est, les gold. Donc, est-ce que c'est SR, les violettes? Non, les violettes, ça doit être du SR si on se base sur les autres jeux, genre Hearthstone, etc. Là, c'est soit rare, soit SSR, c'est chelou quand même. Ok, bon, on va ouvrir les normaux. Donc là, du coup, il n'y a rien. Je pense qu'il y a juste le blanc comme ça qui scintille. C'est de l'uncommon, je pense. Ok, Pilaf, super, super, les potos, super. Black Goku, pourquoi pas. Ok, ça c'est bof. Bon, vous connaissez les cartes maintenant avec les unboxings qu'on a fait sur la chaîne. Je pense que toutes les cartes qu'on va ouvrir là, vous les connaissez. Et d'ailleurs, mon dernier unboxing, les amis, ici, vous pouvez le voir, c'est des cartes vraies, des vraies cartes et ça fait plaisir, quoi. Oh, un leader, Ginyu, ok, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut le cliquer tout de suite? Ok, Ginyu leader. Et en plus de ça, attendez, ça c'est la version alternative en plus. Oh là là. On a la version alternative de Ginyu. Ah mais c'est stylé, c'est ce que je me disais. Mais ce Ginyu là, pas celui que j'ai moi. Ginyu alternatif L+, vous voyez ici. Ah superbe, top top top. Ok, on a la première, voilà, c'est Unko. Trunks, très très bon ici. Si la méta devient aggro pour le deck vert. Oui, petite rare, voilà, la petite rare. On a eu un leader alternatif. Cette carte là que vous voyez là, le petit Ginyu ici là, en vrai c'est 100 balles, hein. C'est une leader alternative, donc c'est vraiment une carte SR plus quoi. Et c'est 100 balles à peu près, hein. Donc j'en ai pas encore eu une. J'aimerais bien en avoir une, mais j'en ai pas eu. Secret, j'ai tout eu, mais pas ça. Prochain booster. On continue. Apparemment on peut avoir du fake out. Donc ça c'est cool, on a du fake out sur les boosters. Ça va être une grosse, grosse session d'invocation aujourd'hui. Hein. 94 boosters. Je vais le mettre en gros dans le titre. 94 boosters. Ok, ok. Pour l'instant, bon, ça, c'est cool. Arumaki, je l'aime pas. Moi, dans bleu, je le joue pas. Ça, c'est une bonne carte. Ça peut être intéressant. Des fois, c'est joué dans vert. Ça, c'est joué dans rouge. Bon, je l'aime pas trop, ce Trunks, là. Mais il peut être joué, en général. Et Frieza, qui sert pas à grand-chose non plus. On va continuer avec les boosters basiques. Mais apparemment, le basique peut contenir des grosses cartes. Champa, ok, ok, on s'en fout. Pan, très 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 fort pour le deck bleu. D'ailleurs, je pense que d'ici demain ou après-demain, ou même c'est déjà passé, il y a le deck Black Goku que je sors sur ma chaîne en termes deck compétitif. Ok, deux Arumaki. Ouh, très 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 bon ça pour le deck Black Goku, même le deck Vegeta. Hein. Kale et Android C16, ok, cool. Le Vegeta qui est cool et la Pan qui est cool. Le reste, on s'en tape un peu les coquillards. Hein. On continue, et là maintenant, bah, on est un peu dans le caca, quoi. On a que de la rareté apparemment, donc les amis, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre sur un premier regard un peu ça correspond à quoi, parce que ça me... Oula, attendez, les amis, là. Eh, on est d'accord les potes que ça, là, ça brille pas pareil, c'est pas du blanc, non? Frieza, très bon dans rouge. Couleur, ok, on s'en tape un peu, ça c'est cool dans Black Goku. Ok, on continue. Ah, c'est de la R. Ok, ça, c'est cool. C'est dans... Bah, si vous jouez Cyborg, si vous jouez C17, C18, il faut le jouer. Voilà, Vegeta dans Black Goku ou dans Vegeta. Ça, c'est pas joué très, très, très bien. Et ça, c'est quoi?
Leader, ok, donc ça c'est leader. Couleur très très fort. On va jouer couleur, je vous montrerai comment ça se joue. Je vous montrerai tout ça en vidéo, il n'y a aucun souci. Je vous montrerai comment ça se joue. Ok, on continue. Donc du coup ici ça doit être un leader. Krillin, Kuririn ici. Kuririn qui est pas très joué, hein. C'est pas une bonne carte. Bah c'est pas que la carte est nulle, c'est juste que c'est pas joué. Rikom, très très fort dans le deck. Ouh, ça c'est bien. Trunks du futur. Ça, on prend pour notre deck. Vous savez très bien que je joue vert. Supernova, je le prends aussi pour le deck Kula. Deux Supernova, très bien. Sui, et là, quel leader? Ginyu, regardez, c'est pas le même. Tout à l'heure, on a eu le Ginyu alternatif. Là, on n'est pas sur le même Ginyu. Ok, bah pour l'instant, c'est pas fameux. On a trois cartes, je pense, qui rentrent dans notre deck. On verra un petit peu ce que ça donne. Hein. Trois cartes. Non, je le joue pas. Ça, je joue pas. Non plus. Big Bang Attack, ça peut être cool, mais je le joue pas. Sinister Shadow, je l'aime pas. Et le lab du Dr. Gero, très très fort dans Cyborg. Donc, du coup, ok, pourquoi pas. On continue. Pour l'instant, normalement, 10 boosters, on devrait avoir plus de cartes que ça. Ok, une commune, très très fort. Ça, c'est très fort dans rouge. Gohan, la commune qu'on recherche pour notre petit deck vert, les amis. Ok, ensuite... Oh, leader rouge. Ça, c'est sous-côté. La métaphysique, la méta réelle, hein, dans ce que je joue, n'a pas beaucoup de ce leader-là, alors qu'il est beaucoup trop fort. Ce C17 est assez fort, il est en ce moment joué parfois pour faire popper un petit peu la C18 à deux coups. Ça c'est très fort dans Black Goku, ça dépend comment vous jouez votre deck. On continue. Alors qu'est-ce que c'est violet? Pour moi c'est SR, hein, pas plus. King Cold, ok, Bulma pourquoi pas, Banane on s'en fout un peu, ça c'est très fort dans le deck Black Goku. Ok cool. Chillette, on s'en fout. Et là, on a quoi? Oui. Ça me plaît, ça. On a une SR pour notre deck. Ah, ça me plaît. Ah, ok, donc c'est SR. C'est du coup, violet, c'est SR. Cool. Kuririn. Ça, c'est très fort pour le deck rouge. Je me demande bien ce qu'on va jouer en ligne, là. Gohan, ah, les cartes de notre deck vert, les amis, commencent à popper là. Oh, on va jouer aussi notre deck vert en ligne. On va faire des ravages, comme on dit. Allez, SR Ginyu, ok, pourquoi pas. Si on veut tâter, on veut toucher le... Hey, à quoi attends? C'est quoi cet effet là? Oh, c'est joli. Il y a des SR qui ont des effets un petit peu... Ah ouais, super super joli, hein. Ça on garde, hein. Ça on le... Je sais pas ce que les étoiles ça sert à quoi, mais ça on garde, hein. Top, ok, pourquoi pas. Et les SR ont des petites cartes comme ça. 3 SR dans le booster avec un leader. Ok. Ouais, le leader c'est quoi? Kula, oh il y a la même effet. C'est quoi ce délire? Ils ont fait des cartes avec effet et sans effet. Oh ils abusent. Ça devient un peu pay to win, non, le truc? Genre, il y a des effets maintenant et tout. Si tu veux optimiser à fond la rareté de ton deck, tu dois avoir ça, quoi. Attention! Très, très, très bon! Très, très, très bon! Le Self-Awakener du deck rouge, du deck Beerus, du deck tournoi du pouvoir. Fouh! 2! Ok, ouais, pourquoi pas. Et un autre Ginyu. Et là, vous voyez, celui-là, il brille pas. Donc, ouais, c'est ce que je dis. Il y a des cartes qui brillent, il y en a qui ne brillent pas. Ok. Mais écoutez, pour l'instant, on fait un deck Ginyu, hein. Moi, je pense pas qu'on a d'autres cartes que ça, hein. Ok, pourquoi pas. Donc, leader, on a eu rouge, on a eu Ginyu. Bah, pour l'instant, on fait un deck Ginyu. Bah, on a eu Kula, quoi, mais c'est un deck Ginyu, techniquement. Et on a deux fois Ginyu, une normale et une comme ça. Ok. On continue. 10 boosters de plus. Allez. Oula. Ah, là, il y a de la carte. On commence par celui-là. On veut le fake out. Vegeta, très fort dans bleu. x2, ok. Ok. Dans vert. Je déteste ce Krillin et vous le savez. Vous commencez à connaître un petit peu mes unboxings, je pense, en réel. Le Krillin, j'en peux plus.
Yamcha, super combo top. Ok. Ouh, ça c'est top ça. J'en ai pas de chance en vrai, mais le leader alternatif de l'univers 7, moi je prends. Ça c'est beau ça. Ça c'est très beau en fake out. Ok. Ouh, ok, Jis, je prends aussi pour le deck. Et Gohan pour le deck rouge. Ok, on va prendre aussi. Ok, bah on attaque les raretés. Hein. Allez, hop, c'est parti. On a du SR dans ce booster. C17, critique. Champa, Ginyu pour le deck couleur. Pour l'instant, on est sur un deck couleur, hein, les amis. Ça, c'est nul. Oui, la SR, C18. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est bien. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. I-beam, ok. Oh oui, Gohan. Oh, il est là. Oh, notre leader, il est là. Oh oui. Ça, c'est bon. Alors, on le veut en alternatif. S'il te plaît, le jeu, donne-moi Gohan d'alternatif. Il me le faut. Alors, s'il te plaît, le jeu, donne-moi plus de... donne-moi le leader alternatif de Gohan. Là, je serai content. Pilaf, top. Kui, ça, c'est très fort hein, dans le deck Ginyu. Dans le deck Kula. Ok, là on a quoi? Allez, du vert. Putain, on a vraiment tout pour le deck Kula. Ok, on y veut ça. Allez. Il m'a l'air que dans les boosters là qui sont goldés un peu comme ça, c'est là où on a le leader alternatif en général. Et c'est surtout des fake out. Ginyu, très bien. Ok. Bon, booster de merde, hein, faut le dire. Booster de merde. Ok, allez, un leader alternatif. On a du SR dedans, cool. Whis, très fort dans le deck rouge. Ça, le même leader. Ok, cool. Allez, on continue. La SR tout de suite. Black Goku pour le deck Black Goku. Ok, top, pourquoi pas. Je voulais la vidéo, je vous l'ai sortie. Ah, Trunks du futur. Bon, on a quand même pas mal de cartes déjà. On ouvre ici, on a encore deux SR après à s'ouvrir du coup. Mafuba, je ne le joue pas. I-Beam, on n'arrête pas de le piocher. Très fort cette carte. Hein. Très fort. C'est joué des fois en x1 pour l'effet de surprise. Là, on a quoi? Ginyu. I-Beam encore. I-Beam encore. Mais c'est quoi? Eh, en vrai, t'as pas des boosters avec trois fois la même carte. Ils abusent. Frost, très bon dans le deck rouge. Allez, on ouvre les SR là. Il faut de la SSR aussi, hein, les amis. Parce que là, on n'a pas de SSR en 20 boosters. Hein. On est censé avoir de la... oh, très bon, ça. La petite R de Goku. Ça, c'est très bon, ça. Allez. Ils abusent. Bon, ok. Elle a son effet. Super stylé, d'ailleurs, l'effet. Très bonne carte, hein, surtout dans des Kula. Je pense qu'on va jouer Kula à un moment. Il nous faut de la SCR, là. Quelle est la couleur de la SCR? C'est ce que je me demande. Ça, c'est très bien pour notre deck. On l'a deux fois déjà. Ok. Allez. Kula. Pour le deck Kula. On va vraiment jouer Kula. Guldo en plus. Oula. Je sens pas bon ça. Eh oh. C'est quoi ces boosters là? On est censé ouvrir de la SCR quand même. Je dis ça. Je dis rien. Gohan. Très bon. Il nous en manque deux. Allez. C'est parti. Allez hop. Allez là. Vert. Du Ginyu. Il veut qu'on joue Ginyu. C'est pas possible. Ok, on a reach de maximum number, cool. Je verrai ce que ça veut dire après. Ok, il nous reste donc du coup 74 boosters à ouvrir, on y va. Et pour l'instant, nous n'avons pas de SC... Oh ! Ouh là là ! Ah là 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 ! Attention. Les amis, j'ai vu une petite bande rouge là. Une petite bande rouge et il y a du rouge là. Ça veut dire secret. On va voir ce que ça donne après, mais là, il m'a l'air, c'est une secrète. On a tapé une secrète, les amis, dans cette ouverture. Ok. Ouais. Allez. Il nous en manque encore un. Cool. Il y a encore... Là, il est moche, le booster. Ok, on y va. Et ce Ginyu, on va le taper combien de fois, ça? J'ai jamais eu un seul leader alternatif. Et là, ça compte comme des petits pains. J'en ai déjà 4. Ça très fort, Frost je prends toujours. Et Final Hope Slash je le prends toujours aussi. Ça et ça très fort. Ok. Bon bah on y va. On commence par les jaunes, allez c'est parti. Je me demande, et j'espère qu'on va choper la Gohan hein.
J'espère qu'on va choper la Gohan. Hein. Ça serait très bien. Frieza, on s'en fout. Gohan 4, ok, on est bon. On a notre 4 maintenant. Goku, allez, finalement. Maintenant, on veut plus Gohan là. On veut le Gohan qui donne une vie. C'est aussi une rare, donc il n'y a pas de raison. Allez, Pilaf. C'est 17. Kuririn, Trunks, on l'a déjà, on s'en fout. Oh, elle sert de coulas, l'animation. Oh lolo. L'animation de Zinzin. Vous avez vu l'animation de Zinzin là, quand ça... Un fake out SR, ça fait de l'élec. Ah, c'est stylé. Alors là, qu'est-ce qu'on prend là? Et là, on prend Kula, on prend Pilaf et Trunks, c'est tout. Le reste, on s'en fout, on le joue pas. Ça, on le joue même pas. Ok, ok. On ouvre ça, les amis. Ok, on va s'ouvrir celui-là. Celui-là, celui-là. Goku, top. Il nous en faut 4. Allez, hop. Oh, ça, c'est bien, mais il nous en faut que 2. On les a déjà, je pense. Ça, c'est cool, on en avait qu'une. Ça, c'est cool, on en avait qu'un. Mais ça, là, on s'en fout un peu, en fait. On ouvre ça. Pan, cool. Ok. 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 Bof. Bof. Et là, c'est quoi? Bof. Booster qui ne nous intéresse pas. Et là, on a que du lourd, là. Alors, SR, déjà. Allez, on s'ouvre de la SR. On, ça, c'est pas joué. Ça, ça peut être joué. Je vais le tester. Goku, je le joue pas, moi, donc Vlad Goku. Allez, vert. Ah, pourquoi il veut qu'on joue bleu, là? Myself Awakener bleu, vous le savez. Vous avez vu la chaîne. Ok. On veut pas. Allez, on a quoi, là? Punaise, ça fait... On l'a 4 fois, déjà, je crois. Attends. 3 fois. On va jouer rouge, j'ai l'impression. On a le leader, hein. Et là, ça va être la SR. Elle est là. Ouh, j'ai peur. Super, Self Awakener, mais on a déjà 4 du deck Broly. Ok, les amis. Allez, souhaitez-moi bonne chance. On veut Gohan. Gohan. Oui. Oh, il est là. Oh, il est là. La Gohan alternative, elle est là. Pouh, la première SR qu'on ouvre. La première secrète qu'on ouvre, c'est la même qu'on a ouvert en vrai. Ça, c'est le destin, ça. Ça, c'est le destin. Nous avons ouvert la exacte même carte. Je l'ai pas avec moi à côté, elle est dans le salon. Regardez la chaîne, les amis. Première ouverture de booster. La première secrète qu'on ouvre, c'est celui-là. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Ça, c'est... On va finir avec le même deck. Ça, c'est beau, ça. Ah, moi, je vous le dis, ça, c'est très beau, ça. On va se faire vert, on va faire des massacres en vert, vous inquiétez pas. Ok, ça veut jouer jaune, hein. Ça force sur le jaune et le bleu. Oh, ok, c'est quoi ça? If you have... Oh, mais laisse-moi lire aussi. Ouais, il explique même pas en plus. Ok, bah, je regarderai après. Ok, 10 boosters en plus, c'est parti les amis. Allez, allez. Oh! Encore de la secrète! Allez, c'est parti là! Je veux l'alternative, je veux pas lui moi. Oui! Le Gohan qui donne de la vie, ok. Ça c'est top, il nous en manque 4, 3 du coup. Alors attention, je me craque un petit peu les oeufs. Ok. Crusher Ball c'est cool. Oui, je prends très bien, hein, Goku. Je prends, bien sûr. Allez, un petit rare, là. Allez, un petit rare. Je prends pas. Je bande pas les couilles. Je le joue pas. Botamo, très fort dans le deck virus. Très fort. Faut pas sous-estimer. Peut pas être détruit. Il est incroyable. Encore un leader. Ok, je l'ai déjà. C'est 16. Ça dépend les... En fait, ça dépend comment le jeu en ligne se fait. Mais ça, c'est pas mal. Oui, Beerus qu'on tape ici en leader.
Ou Gohan, on l'a déjà, il va se transformer du coup en carte d'échange, je sais pas quoi là. Beerus, première fois qu'on l'a, très 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 bien. Très 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 bien, Beerus. Alors, on continue. Bulma, Zamas, c'est celui qu'on joue. Ça, c'est très bien pour le deck bleu. Et là, on a quoi? À part Vegeta, Zamas et Crusher Ball qu'on a déjà, bof. Hein. 3. Ok, bof. Sinister Cycle, super carte. Ça, c'est... Ça a fait... Il y a des gens qui ont top avec. Hein. Mais... faut voir, en fait, si c'est lent ou pas. Ok. Est-ce qu'on aura du fake out ici? Fake out ou pas? Allez. Non. Non. Ok, on se rapproche. On a quasiment toutes les cartes, là, de notre deck, je crois. On a quasiment toutes les cartes du deck. On a notre deck. Allez. Ah non, allez, allez. La dernière SR avant tout. On ouvre là. Ouh, ok. Attention. Attention. Oui. La SR Vegeta. La SR Vegeta. Oui, oui, oui. Je prends, bien évidemment que je prends. Mais bien évidemment que je prends, les amis. Oh, oh. Ah, il reste un booster de merde. Ok, ok, on va ouvrir. Oh, le Beerus avec le feu en plus. Oh, il est magnifique. Vous voyez, ils ont mis en fait le design, il est fait de telle sorte que la boule, c'est elle qui concentre l'effet. Oh, c'est magnifique. Oh, ça, je le mets en étoile. Magnifique. Gohan en plus qu'on en a trois fois déjà. T'as très très bon booster. Très très bon booster pour un booster de 170 merde, quoi. Et là, quelle secrète on va avoir? Quelle secrète? Goku, ok, ok. Deuxième Gohan ou pas? Oui, 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 c'est... Et ça fait... Ah, mais c'est quoi ce délire, les amis? Ça suit exactement les ouvertures qu'on a fait en réel. Première SR alternative. Deuxième, la même Gohan. Donc, techniquement, les deux SR que je vais taper après, ça sera des Goku. Petit spoil. Bon. White card, ok, ok. Ok, on verra après. Ok, il nous reste 54 boosters. Boule, 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 booster. Allez hop, non. Pas de secrète ici. À moins qu'on ait du fake card sur la secrète, mais ça m'étonnerait. Mais là, on veut de la SR. Honnêtement, on a la secrète. C'est pas grave ça. On veut de la SR, nous. Ok. Moi, j'aime bien les fake cards là. Allez hop. Ok. On est quand même pas mal en deck rouge aussi, hein. Avec les frosts et tout qu'on a tapé là. Il faut juste qu'on tape la SR. La secrète et on est bien. Et plus du Beerus. Oh, leader, on l'avait pas. Ok. Vous voyez bien de toute façon. Ouais, on voit bien. Ok, Black Goku, Mafuba, Pilaf. C'est 16, je vais le tenter, je pense. Hein. Tout dépend. Et là, c'est bon. On a tous nos Goku là pour le deck Gohan. Ça, c'est cool. On enchaîne du coup. Et on a de la. Oh putain! Oui, 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 oui. Les amis, on a de la secrète dans ce booster jaune. Et on a un Black Goku en plus qui est tout beau, tout neuf. Oh, mais qu'il est beau. Oh, le booster de Zinzin. Une SR, une SCR dans le même booster. Alors, c'est qui la SR? Oh, 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 si c'est un Goku, mais je me tire une balle. Allez! Ah, ok, 3 Gohan. Bon. Si on peut faire des échanges, c'est cool. Moi, il m'en faut que 2. Hein. Oh, c'est pas mal ça, la SR dans un booster jaune, quoi. Oh, la chance. Oh, très très bon. Il nous en manque 2. Allez. Oui, oui, non, non. Booster jaune, on continue. Oui, non. Bah si, ça dépend. Oui, très très bien. Oui, super, non.
Non, et là, oui aussi, mais on en a déjà beaucoup. Il en reste deux, je crois, après. Tout de suite ça, 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 ça. Ok, pas mal. Bof. Il reste plus de booster de merde, non. Allez, la SR, on veut du Vegeta du coup, nous. Oh, très bien pour le deck rouge, Beerus. On le veut en alternative, on a dit. Allez. Beerus, on en a 3. Ça commence à faire beaucoup. On veut de la SR verte. On en a 2. 2 SR, les amis, dans ce booster. Oh, couleur alternative. Ça, c'est beau. Ouh, ça, c'est beau. Putain, j'arrête pas de piocher de l'alternatif. Oui, la SR, ils en ont plus que 2. Et là, oh, c'est joli aussi pour ça, pour Beerus, là. Ça, c'est joli. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et on a du wild card. Il me laisse pas lire, c'est bâtard. C'est... 44 boosters, on en est 4, on a un peu plus de la moitié déjà. De toute façon, tout ce qui est pierre bleue, etc., je pense que je ne vais pas les utiliser du tout. Ok, 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 Supernova, on en a déjà beaucoup trop. Là. Ouah, dans un booster qui brille même pas, on a tout ça. Ok, ok, ok. Botabo très fort, cette C18 là, des fois elle est jouée. Là, il y a encore un booster qui brille pas. Ok, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de fake out. On a quand même pas mal de super combo Yamcha, c'est cool. On attaque les brillants jaunes. Ok. Ok. Ok, on l'a déjà beaucoup trop. Mais c'est cool parce qu'on pourra recycler des rares. Donc du coup, il y a un système de recyclage, il m'a l'air. Hein. C'est pas alternatif, ça, on s'en fout. On l'a déjà... Oh, Frost, Frost, je crois qu'il m'en manque un. Ouais, un, je crois. Ça, je l'ai déjà, du coup. Ça, il en faut. Guan, on a les 4 ou pas? Je sais plus si on a 3 ou 4. Bon, on verra. De toute façon, vu le nombre de communes et Inco qu'on a, je pense qu'on peut se l'acheter. Ok, ouais. Ouais, ouais. Moins. Très fort. Moins. Bof. Bof, 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 bof. Ouh. Ça, c'est fort. Ok. Ok. On s'en fout de Strunks. Il y en a beaucoup de trop, là. Allez, SR verte. Verte, les SR. Verte. S'il te plaît. Verte. Eh, je te jure, il suit trop l'ouverture booster en réel, quoi. C'est pas possible. Il me donne du bleu quand je demande du vert, quoi. Pas possible, ça. Allez, vert. Mais ta grand-mère. Oh, quel bâtard. Oui, on a compris, là, le truc. Il faut que je regarde plus tard. Et allez, encore 3 fois et demi, du coup. C'est parti. Une SCR, allez. Oui, 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 oui. Ici, dernier booster. Ça, c'est le boxing. Oh lolo, lolo, lolo. On est bien, on est bien. Ok. Bof, je prends rien là-dedans à part le G, ce que j'ai déjà. Allez, normalement, c'est dans ces boosters que j'ai de l'alternative leader là. Ça, c'est fort. Sangoku, je crois qu'on t'a déjà 5-4 fois, déjà même plus. Allez. Des lancers booster, alternative leader, Gohan. Allez, fake out. Non. Fake out. Non. Fake out. Non. Ici, allez, alternative leader, Gohan. Ouh, là, ça se peut, là. Beerus. Ok, ok. Ok, ok. Ici, allez là. Ça, on prend, ça, on prend, ça, on prend. Le reste, on l'a déjà.
Il commence à faire tard. Tac. Gohan, c'est bon, on a les 4, c'est sûr. Je crois Goku aussi, de mémoire. Et là, on s'en tape du reste. Et là, on offre que des grosses 4. Ça fait plaisir. Allez hop, du SR. Secret. Oh, c'est beau ça. Attends, il y a une secrète dans le paquet. Hein. Oh là là. Oh là là. Alors, la SR, c'est quoi? Oh, il nous donne. Allez, un Goku. Allez, Goku, s'il te plaît. Ouais. Il nous donne Goku. Aïe, aïe, aïe. On va poncer le jeu, les amis. En plus, ce Goku-là, techniquement, tu peux jouer à 1 ou 2. Souvent pas plus, quoi. Ah, c'est beau, il y en a encore un là. Hein. Ah, c'est joli. Allez, donne-moi du SR. Je veux juste du Vegeta SR maintenant. Vegeta SR, c'est tout. Gohan, trop bien. Mai, ok, on aura le playset, c'est cool. Je veux de la Vegeta SR, s'il te plaît. Et de l'alternative verte pour flexer un petit peu. Beerus, on a les 4. Cool, mais en général, t'en joues pas 4, quoi. C'est un peu trop, quand même. Parce qu'il a pas de puissance de combo, il me semble, Beerus. Allez, vert. Oh. Fais 4 SR. On l'a déjà, mais attends. Oh, ça. Plus t'en as de ça, et plus je pense que tu pourras les échanger contre des autres SR plus tard. Ça, c'est cool pour le jeu. Et là, les amis, SR, donc 3 SR dans le paquet. Ok, moi, je dis, bah, vas-y, hein. Allez, le Goku, ça serait cool. Allez, Goku. On a le Goku de ouf et dans la version qui brille. Mais c'est quoi ce délire? Oh lolo. Mais vas-y, tous les jours. Oh punaise. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'aimerais bien l'avoir en vrai. Je l'ai vu semaine dernière au tournoi, je l'ai vu. Un poteau youtubeur d'ici qui a toute la collecte, fan de DB, il a toute la collecte et il a le playset et il a cette carte là. Magnifique. Oh, superbe. Oh, mais je suis refait là. Oh, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en vrai cette carte. Je la revends même pas, je la garde. Pff, bon, on a quasiment toutes les cartes, c'est bon. Hein. On est bien là. Oh. Je vais m'étouffer, il y a de la SR là les amis. Un autre Goku ça serait cool. Parce qu'il y a peut-être moyen de jouer à 3 grand max. Mais j'aimerais avoir le Goku alternatif, mais le dernier design que j'ai pas du coup. Black Goku, la version alternative. Oui. Et le dernier Gohan de notre deck. Bon, on est refait. Hein. Il nous manque plus que Vegeta les amis, mais on va l'acheter. Si on peut acheter des cartes avec les SR qu'on a en double, on est bon. On verra. Ok, on ouvre ça. Parce qu'il me semble qu'on a des Frieza en double, etc. en SR. Ok. Bref. Ok, on est très très bien là, les amis. Ouh, c'est... Non, c'est pas alternatif, ça. Ok, cette carte là elle est jouée, je crois, des fois. Ok, bon, bah là vous connaissez les cartes. Hein. Là on ouvre juste pour essayer d'avoir des doubles et ce qu'on veut, quoi. Je pense qu'on a déjà vu toutes les cartes, les amis. Hein. Ouais, on a quasiment tout vu. Hein. Si j'ai pas une carte qu'on a pas eu. Ouh, la SR. C'est ce phaser là, je vous disais qu'on l'a déjà eu beaucoup de fois, je crois. Allez, ça serait cool qu'on ait Gohan alternatif. Non. Allez, on ouvre les SR là. Attention. Ok, là. Alternative de Trunks. On en a pas eu beaucoup en plus. Cool. Joli.
Mais donne-moi du Vegeta, s'il te plaît. En SR, Vegeta. Putain, celui-là, on l'a déjà 5 fois. Allez hop, la SR ici, les potes. Ça pep, ça pop. La FPT SR, là, oui, oui, oui. Ginyu et... Oh, le Goku, ça fait plaisir. Parce que le Guan, on en a déjà trop. Oh, ça fait plaisir. Et... 14 boosters restants, on est à 38 minutes d'invocation, qu'est-ce que ça fait plaise. Bon, on n'a pas de SR là-dessus. Hein. Alors, on va aller vite, hein, parce que là, je pense pas qu'on ait quelque chose. Ici. Non, on n'a pas grand-chose. Ça on l'a déjà, c'est cool mais bon. Allez. Alternative de Leader Guan, ça serait cool. Et je veux un Vegeta SR, j'en ai qu'un. Et c'est une carte qui est très très importante dans le jeu, dans le deck. Très très forte pour les 4. Ok. Ok. On a 3-3 SR après. Ça m'étonnerait qu'on ait 3 fois Vegeta, très honnêtement. Peut-être un, on va peut-être penser à un Vegeta. Au moins pour compenser. Ginyu, on l'a déjà 3-4 fois, c'est bon. Et Ricom, on l'a même pas 4 fois en plus. Pourtant, c'est une rare. Virus, 5 fois. 5 fois le virus. Alors, allez, allez. Allez là, Vegeta. Ouh, alternative de Beerus. Top, 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 top. De Ginyu. Ok, très beau, très beau. Mais bon. Les amis, nous, il nous faut nous Vegeta. Hein. Ok, on a de la SR sur ces deux derniers boosters. 4 derniers boosters. Cool, cool, cool. Hop, allez SR, donne-moi du SR impromptu. Leader, leader. Ok, allez donne-moi de SR ici. Non, pas de SR, d'accord, d'accord. Pas de SR, d'accord. Allez, 2 SR, et tu me donnes 2 Vegeta. Non, non, ok, j'ai pourvu. Ok. Allez, Vegeta s'il te plaît. Ouh, allez, on a la quatrième, au moins on a la quatrième. Voilà, voilà, on va rester sur ces jolies cartes qui sont ici, hein. Hop, on va enlever tout, voilà. On reste sur ces jolies cartes, les amis. En tout cas, bah voilà, c'était une petite session unboxing en ligne avec vous. Comme vous l'avez vu, nous avons quasiment tout notre deck, il nous manque Vegeta. Le Vegeta 4 étoiles qui va ramper, donc du coup... Et qui va permettre à notre deck d'aller un peu plus vite. Je vais voir pour faire des modifications du coup par rapport à cela. Et par quoi le remplacer par contre, ça va être très honnêtement. Ça veut dire que je peux pas commencer deuxième. Et je préfère commencer premier. Alors que c'est le contraire normalement. Donc voilà, voilà, je vais essayer de faire des modifs. Je vais construire mon deck et faire quelques games. Là il est quand même minuit, un truc du genre. Donc voilà, je vais faire quelques games par rapport au jeu. Et on va se faire plaisir simplement. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet unboxing de quasiment 100 boosters. Suivez-moi sur ma chaîne, abonnez-vous puisqu'on va poncer le jeu. On va certainement faire du streaming, etc. tout le mois par rapport au jeu. En fin de soirée, pas mal de vidéos sur le jeu. C'est cool parce que je peux construire les decks, vous le montrer en direct. Ça serait cool aussi. Faire quelques games, pourquoi pas, pour vous montrer comment jouer le jeu, les decks. Des decks low cost, etc. qui peuvent se transvaser, on va dire, dans la vraie vie aussi. Voilà, voilou, hein. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'avez pas mes autres vidéos, bah, je vous emmène dans les boutons i ou dans la playlist Dragon Ball Fusion World, puisqu'il y a pas mal de jeux, vidéos unboxing réels, des vidéos de stratégie, etc. Donc voilà, allez voir. Et moi encore une fois, bah, du coup, merci pour avoir regardé cette vidéo. C'était JD Manga. Je vous dis à plus. Salut les potes. Gagné, les amis, on a gagné. Bye bye. Deuxième match gagné, les amis. GG les amis, 115 000 contre 75 000, je savais. Voilà les potes.